Aujourd'hui, chers amis, je vous prépare des moules. Des moules avec une bière blanche, crème, moutarde, estragon et fenouil. Vraiment une recette à se lécher les babines. Si de recettes avec de la bière, c'est vraiment votre truc, abonnez-vous, c'est gratuit. Et vous verrez plein de bonnes choses sur ma chaîne YouTube. Soyez le bienvenu. On commence avec de l'ail, 2-3. Donc ça, avec des ingrédients qu'on a plutôt tout le temps à la maison. De l'ail, un oignon. Et on va remplacer le céleri par un fenouil. Voilà, 3 ingrédients de base qu'on va faire revenir dans du beurre. Rincer les moules une fois, c'est suffisant. Il ne faut pas les rincer 3-4 fois. Si vous entendez ça, ça veut dire qu'on va bien manger. On laisse tout légèrement roussir, comme ça les oignons et le fenouil deviennent un peu doux de goût et ça va aller parfaitement avec notre bière qui a des notes de coriandre, agrumes et légèrement sucré. Ça va être un combo de la mort. Ok, maintenant, on va incorporer les autres goûts. On rajoute la moutarde, la crème, et on va bien assaisonner avec du poivre et du sel. L'estragon, et donc ça, c'est vraiment la base incroyable, la sauce pour aller faire rôtir vos moules. Ouais, ça c'est le pied. Franchement, si vous aimez bien les moules, vous allez aimer ça. Mais peut-être, vous avez encore une autre astuce, vous aimez encore une autre bière dans vos moules, mettez-le moi dans les comments. J'aime bien savoir toutes vos recettes. On mélange. J'ai encore d'autres grands classiques sur mon website. Shepherd's Pie, Carbonade. Oh, c'est bon tout ça, hein. Allez voir. Oh my God. Et quelques minutes plus tard, vous avez terriblement bonne moule. Oh là là. Oh my God.